Tel hein, dans cette partie, Pesonen, Rizard, il y aura 2 minutes, et but, ouais, le but va être accordé, but de Pesonen, il a eu un tout petit geste d'hésitation Monsieur Verli, et le puck amené par Rizard, une faute, Pesonen qui est là pour récupérer, mais on va visionner, Rizard, c'est pas fini, Erren, Appelmaken, négocier ce but, le but de Rizard. On va quand même visionner la vidéo, mais à mon avis, il n'est pas en dessus de la transversale. Ce puck, lorsque Rizer le joue, là, on va dire que c'est assez logiquement que M. Verli va voir une deuxième fois la vidéo. De présenter Emerton. Et voilà le but qui relance. Un but que l'on n'attendait pas vraiment. Emerton continue ses statistiques qui sont bonnes actuellement. C'est un des hommes, mais pas de beaucoup. 4078 spectateurs présents aujourd'hui, alors que Monet va égaliser. Alors ça, c'est la stupéfaction. Ambri Piotta en 3 minutes efface ses 2 buts de retard. Thibaut Monet, qui réussit un peu comme Emerton il y a quelques instants, à lever le puck par-dessus l'épaule du gardien huet. Gauchi, Berton. Le puck qui revient devant, c'est très dangereux. Et c'est but. La réussite qui fait chavirer la Valachia. But de Hall. Et je suis pas sûr que les Vaudois aient les moyens de se relancer après ce but. On revoit Berton qui met devant, puck est touché par Adam Hall, du patin il s'offre le puck sur la palette, le rebond était assez long et puis Emerton qui tire à côté, le sursis mais la défaite quand même. Il y a une forme de délivrance du côté de la Valachia, où Ambri Piotta met fin à une série de 5 défaites consécutives. Regardez ces images, je crois.